Capricorne, bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez pu recharger les batteries, que maintenant vous repartez avec justement des batteries toutes neuves pour votre rentrée. Et donc du coup, j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau puisque je reprends également avec vous le cours de ces vidéos puisque j'ai dû les mettre en suspens au mois d'août pour des impératifs personnels. Voilà, je me suis arrêtée au signe du Lion et donc je reprends à partir du signe de la Vierge votre énergie générale du mois d'août. Voilà, savoir un petit peu ce qui s'est passé pour le coup. Et donc là, vous avez eu cette roue de fortune pour votre mois d'août. Donc celle-ci peut encore bien entendu vous accompagner vibratoirement sur ce mois de septembre, qui vous invite justement à sortir de schémas répétitifs. On est un petit peu dans cette roue qui tourne comme ça, et là aussi ça nous dit qu'il y a du hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard. C'est-à-dire que là c'est une invitation à activer un changement. Voilà, de reprogrammer quelque chose et de s'en remettre aussi au destin et de laisser faire les choses, de laisser faire la vie et aussi, quelque part aussi, sentir ce qui va être bon pour vous. Il y a une énergie de synchronicité, hein. Ça peut être aussi ce 8 de bâton, mais là, c'est beaucoup plus fort. C'est que là, il y a des signaux qui vous disent que oui, là, il y a une vibration qui est bonne, je peux y aller, je peux m'engouffrer, vous voyez, mais dans le bon sens. Parce que ça peut aussi nous dire qu'il y a une roue de voiture enlisée dans le sable pour certains d'entre vous et on vous demande justement de regarder autour de vous et de vous saisir d'énergies qui peuvent justement vous apporter de la chance, des opportunités pour le coup. Mais cette roue de fortune revient dans le contre de votre défi ici. Hein, vous avez ce saumon qui nage parfois à contre-courant. Et ça nous dit ça, qu'il y a peut-être un refus de vouloir changer, comment dire, de disque, alors, voilà, de programmation, d'engrammage, voilà, de croyance, ça peut être tout ça. Mais on va y revenir, on va reprendre déjà votre énergie principale de ce mois de septembre. Et quoi de mieux pour commencer cette rentrée, puisque vous avez la magnifique, l'étoile, la douce étoile qui vous protège, votre bonne étoile, celle de là-haut, celle qui vous guide. Voilà, il y a quelque chose de magique parce que vous êtes unique, vous êtes authentique et on vous demande en tout cas de vibrer votre propre énergie, d'être un peu à nu, voilà, d'être cet artiste de l'amour, hein, ça peut être tout ça. Et voilà, une forme de douceur, de bienveillance, de reconnexion à soi et de surtout de retrouver cette confiance en l'amour divin, hein, c'est cette énergie-là, c'est qu'il y a de l'amour et que vous n'êtes pas seul. Hein, c'est sur cette énergie-là pour le coup. Il y a beaucoup d'abondance. On peut aussi l'assimiler à l'énergie du Verseau, comme ça, comme s'il y avait un flot d'énergie d'amour pour vous qui va vous donner une pluie de bénédictions. Donc là, il y a comme un grand feu vert de l'univers, après on peut dire de vos guides, ce que vous voulez, mais c'est cette énergie qui, c'est bon pour vous, vous voyez, il y a quelque chose qui se remet en place de manière très naturelle. On parle aussi de naturel. Et ça nous parle aussi, bien entendu, que vous êtes dans ce processus de guérison, que vous êtes en train peut-être de vous dire, mais là, j'ai peut-être enfin quelque chose à faire et à changer radicalement les choses dans ma vie. Je vous dirai ça pourquoi plus tard, parce que vous avez le défi, le fou, et c'est pas rien. Maintenant, on va faire un tour d'horizon dans le cœur de votre lecture, hein, sur ce mois-ci. Alors, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de coupes et d'épées, mais vous avez quand même ces trois arcanes majeures. On voit ici ce trio incroyable. Donc, dans votre défi, le fou ou le mat au tarot de Marseille, rencontre la roue de fortune. Vous voyez, il y a encore un petit clin d'œil à votre mois d'août. C'est là, hop, attention, attention, là, on vous dit de sortir d'un cycle infernal, hein, de remettre un autre programme, en tout cas, une espèce de un recyclage beaucoup plus dynamique. Hein, on peut dire ça comme ça. Vous avez dans ce qui va vous aider, magnifique, le monde, la tortue. Voilà, il y a quelque chose de magnifique.
parcourir l'océan pour vous. Et ensuite, nous avons un as de bâton dans votre état d'esprit et de la coupe. Voilà. En denier, on va y aller. On va commencer avec votre dodec. Vous avez cette reine de denier qui peut nous parler de vos qualités d'organisation ici au quotidien, que vous avez une parfaite maîtrise de vos routines. Voilà, qu'il y a des habitudes qui sont stables, qui sont fiables, qui vous nourrissent, des rituels, des choses comme ça, et qui vous font du bien. Donc cette reine de denier, c'est peut-être un personnage autour de vous qui vous accompagne, qui vous, en tout cas, vous invite à vous, comment dire, à vibrer vos énergies de terrien, de terrienne, et de justement de profiter au maximum de ce que vous pouvez vibrer au cours de votre journée. Et ça peut aussi nous parler ici, effectivement, que vous avez la possibilité d'exprimer votre polarité féminine, voilà, même si vous êtes un homme, et de prendre des responsabilités concrètes. Alors ici, ça peut nous parler aussi de rigueur dans votre quotidien, de discipline, hein. Ça me fait souvent penser à la reine de denier, je ne sais pas si tout le monde connaît, Marie Kondo. Vous voyez, tout est plié à la verticale, tout est carré, tout ne bouge pas, mais en même temps, il y a de l'espace. Il y a un côté, on est nourri, mais en même temps, il y a cet équilibre physique qu'on ressent. On est dans des sensations d'apaisement, de feng shui aussi, avec une reine de denier. Donc, c'est plutôt... c'est plutôt beau, c'est peut-être vous êtes attiré par ce genre d'énergie, que vous avez besoin de retrouver des rituels voilà, qui vous ancrent avec cette reine de denier. Ce que je n'ai pas dit en introduction également, je ne ferai pas, bien entendu, d'extension, mais j'irai quand même prendre un autre jeu de tarot si jamais j'ai des interrogations. De toute façon, je vais prendre quelques cartes pour recouvrir, bien entendu, ce jeu qui, somme toute, est très fluide. Hein, c'est très fluide. Alors on y va, dans quel état d'esprit vous arrivez sur ce mois de septembre, mes amis Capricorne? Incroyable. As de bateau, oui, c'est la croisière, s'amuse. As de bâton et deux coupes. L'as de bâton, c'est votre cœur qui s'illumine, c'est un petit peu voilà, le cœur, votre volcan qui se réveille intérieur d'amour, de feu, de passion, de joie, de dynamisme avec ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe nous parle d'union, d'association, et que vous êtes maintenant prêt pour vivre peut-être une union. Alors ça peut être, je parle sur le plan sentimental parce qu'il y a de la coupe, mais ça peut être aussi, enfin vous êtes décidé pour vous associer pour une entreprise assez qui fait palpiter en tout cas votre cœur, et on sent qu'il y a du désir, il y a quelque chose de l'ardeur en tout cas avec ce 2 de coupe et cette as de bâton. C'est vraiment une rencontre, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'allume en vous. Ce que vous souhaitez sur ce mois de septembre, c'est ce 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe nous parle encore de vos émotions, de ce qui peut encore, comment dire, vous donner des hésitations dans vos choix de cœur, quels qu'ils soient. Hein, ça peut être 7 de coupe, c'est les options. Et bien entendu, il y a tous ces coquillages, j'espère qu'on voit bien. Un petit peu vite, il y a tous ces coquillages, et il y en a un où la musique résonne vraiment avec les vibrations de votre cœur. Et c'est se dire, voilà, est-ce que je vais écouter les vibrations de mon cœur qui vont m'amener vers quelque chose, en tout cas, qui m'anime et qui me donne envie d'y aller, de collaborer ou de s'unir, de se mettre en couple, voilà, de rencontrer quelqu'un. Il y a en tout cas une énergie de réciprocité ici avec cette as de bâton de deux coupes. Il y a quelque chose de fluide, vous voyez. Et donc ici, c'est peut-être ne pas se tromper et peut-être ne pas tomber sur un Bernard l'ermite pour le coup avec ce set de... Donc surtout, vous ne voulez pas de déception, de désillusion le plus sur ce mois de septembre. Et là, qu'est-ce que vous dit le défi ici? Incroyable, le fou. Et là, on vous dit, ah, là, c'est pas le loto, hein, c'est un petit peu ça aussi. Le fou, c'est, est-ce que vous êtes capable, comment dire, de faire vibrer quelque chose d'innocent, sans attente, avec le fou? C'est aussi le grand saut de... un petit peu, comment dire, cette jeunesse qui est là, de votre cœur, et qui se dit,
Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque? Est-ce que je suis prêt à ouvrir mon cœur, à embrasser l'inconnu et à expérimenter cette coupe, une de ces sept coupes en tout cas, vous voyez? Donc c'est ça. Alors ici, il y a cette roue de fortune ici en compte qui nous dit quand même c'est important, il y a des enjeux importants, il y a quelque chose de bloqué. Il y a comme s'il y avait voilà, qu'il y a quelque chose qui s'enlise et que vous bloquez ce passage, ce mouvement, comment dire, cette expansion de votre cœur. C'est comme si là on vous dit mais pourquoi il y a cet enfermement de rester toujours dans la même chose et pourquoi pas voir autrement peut-être une de ces coupes, vous voyez? Et ça, c'est se dire, voilà, prendre un risque, mais en fin de compte, c'est un risque qui vous anime. Vous savez ce qui maintenant peut vous amener vers une vibration qui ressemble à celle de votre cœur. À ce que vous cherchez, en tout cas ici, c'est de l'authenticité, de vous mettre à nu et que l'autre aussi peut-être se mettre à nu. Il y a une forme aussi de grande pureté ici avec l'énergie de l'étoile. Et c'est ça, c'est le fou, c'est aussi, il n'y a pas de calcul. On va à l'aventure, on vit le moment présent et on est dans la pureté de l'instant présent et il n'y a pas de calcul. Voilà, donc c'est est-ce que vous êtes prêt à vous jeter, à faire le grand saut de votre cœur? Et là, il y a quand même quelque chose, hein, parce que vous le sentez aussi, vous voyez? Et surtout, c'est quand même beau parce que là, on vous dit, ben, ça y est, le monde, c'est que vous terminez quelque chose. C'est que là, on vous invite à tourner la page sur une histoire de votre passé et enfin, ben, de vous donner l'opportunité ici, hein, enfin, de vibrer un cœur qui est là, qui est en train de se rallumer et qui a envie de goûter une autre émotion, vous voyez? Donc, c'est magnifique. On va quand même comprendre le fou dans votre défi, hein, parce qu'on ne va pas non plus s'aventurer comme ça, même s'il y a un risque à prendre. Mais le risque, c'est quoi? C'est d'essayer. Voilà, c'est ce que ça nous dit en tout cas. Donc, cette de coupe, le fou, on va comprendre, et cette roue de fortune. On va en recouvrir trois pour vous, mes amis Capricorne. Pour votre vie professionnelle, on a cette as d'épée. L'as d'épée nous parle d'une pensée claire, d'une pensée fluide encore, de quelque chose, d'un éclat de génie, voilà, d'une conception, d'une idée fabuleuse. Voilà, il y a comme s'il y avait, que voilà, que tout était clair, limpide comme de l'eau de roche pour, ben, en tout cas, donner le ton dans ce que vous voulez impulser dans votre vie professionnelle. Il y a cette idée de départ. Voilà, donc il y a quelque chose de très clair, c'est maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller dans cette direction et m'épanouir sur cette voie professionnelle, vous voyez? Donc là, c'est j'ai planté l'idée, maintenant, eh ben, je sais que rien ne m'arrête et je vais explorer justement jusqu'au bout cette idée où ça va me mener. Donc c'est plutôt beau, hein, parce que là, il y a comme une prise de conscience aussi que vous pouvez eh ben, améliorer les choses et aussi trouver des solutions avec cette as des épées. Dans votre vie sentimentale, on a ce cavalier d'épée. Alors, encore un personnage de cour, ici c'est un oiseau bleu. Ici on parle de vérité. Alors on peut parler peut-être aussi d'une communication assez expéditive. Dans les épées, vous savez, il n'y a que l'intelligence qui prime, l'esprit, il n'y a pas d'émotionnel, il y a juste de la conscience. Donc ici, c'est une conversation qui a de la conscience, qui a de la profondeur ici. Alors ça peut être un petit peu froid, un petit peu austère, mais en même temps, un peu cavalier aussi, ça peut être très rapide, parce qu'il y a toujours aussi dans cette énergie du cavalier d'épée, c'est une quête de trouver des solutions pures, transparentes dans sa communication d'énergie d'amour. On va quand même aussi comprendre ce qu'avait les épées parce que j'ai l'impression qu'il est peut-être rattaché à ce que vous dites, mais pourquoi peut-être ce cavalier de paix qui vient vous faire la cour, il y a cette énergie un petit peu, voilà, un peu froide, hein. On est dans quelque chose de froid aussi, hein. Donc vous dites, mais
Pourquoi je reste peut-être toujours avec des énergies qui manquent peut-être de chaleur, de joie, de rire, hein, parce qu'on a avec cette énergie le fou. Et là, on vous demande aussi de lâcher la bride finalement et de vous décoincer peut-être une communication un petit peu trop exigeante sur le plan sentimental en ce moment pour vous. Après, ce qui arrive pour vous en fin de mois, vous avez ce 9 de coupe et ce 7 d'épée. Ce 9 de coupe, c'est réussir une stratégie d'amour. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que vous avez un plan dans la tête, peut-être tout un scénario pour vivre une rencontre, somme toute assez enthousiasmante avec cette tasse de bâton de coupe. Et il y a quand même du calcul ici. Donc, soit vous allez peut-être un petit peu voir comment l'autre se dévoile, montrer un petit peu patte blanche, mais en même temps, il y a le vœu aussi de savoir qui est vraiment derrière cette énergie voilà, que vous allez rencontrer. Donc, il y a quand même une rencontre, il y a quelque chose qui se réalise. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir quand même toujours une inspection, voilà, une espèce de scanner d'intelligence pour votre fin de mois de septembre. On va donc recouvrir quatre cartes pour vous, mes amis Capricorne. En tout cas, c'est super fluide votre tirage. En tout cas, ça nous dit qu'il y a un nouveau départ dans votre vie, soit professionnelle, soit relationnelle ou sentimentale. Et également une grande prise de clarté, enfin prise de conscience, beaucoup de clarté dans votre vie professionnelle. Il y a en tout cas un objectif magnifique. Allez, on y va. On va donc recouvrir, comme j'ai dit, ce 7 de coupe, le fou et le monde. Alors, nous avons ici la grâce. Alors ici, c'est le chat, la grâce. On parle de l'énergie de la tempérance, on parle de modération. On parle ici que dans ce que vous souhaitez, c'est trouver justement de la fluidité dans vos échanges. Voilà que le choix se fera dans la fluidité, dans quelque chose qui glisse, dans quelque chose qui est naturel, qui coule de source, qui active en tout cas une expansion. Voilà, ça nous dit ça. Donc il y a vraiment cette énergie de savoir atterrir sur ses deux pattes, sur ses quatre pattes, comme ce chat, je veux dire, et qui a une fraîcheur, une agilité dans vos échanges, dans votre rapport à communiquer aussi vos émotions à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle, en tout cas, dans ce que vous souhaitez, c'est de trouver une intelligence émotionnelle parmi une de ces sept coupes. Avec le fou, le challenge. Alors, que nous dit ce fou pour vous? Et nous avons le 6 de ciel. Ok, on vous dit ici, est-ce que vous êtes prêt à aller vers une communication plus apaisée, voilà, de laisser derrière vous quelque chose qui peut-être vous a fatigué sur le plan de la communication. Et ce 6 de ciel, on laisse les disputes, on avance. On ne veut plus justement se mettre des coups de griffe, voilà, des coups de griffe dans des paroles blessantes. Ça nous dit ça. Donc c'est le risque à prendre, c'est est-ce que je suis capable de m'autoriser à aller vers une communication plus apaisée avec l'autre, okay, ou soit avec vous-même, hein, ça part aussi d'abord de vous, bien entendu, mes amis Capricorne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la roue de fortune. Je vais savoir cette roue de fortune. Alors, quel blocage ici? Le 10 de mer, vous bloquez votre abondance ici. Vous bloquez, vous bloquez en tout cas votre bonheur. Ici, ça nous dit ça, que vous bloquez un bonheur, que vous refusez de vous laisser porter par des énergies hautes d'amour. Ça nous dit ça en tout cas avec ce 10 de mer. Et ça nous parle encore un 10, une fin de cycle. Peut-être que ça nous dit qu'effectivement que vous avez connu par le passé quelque chose qui vous a procuré du bonheur, que vous étiez senti peut-être extrêmement vivant et que vous vous refusez maintenant, vous refusez à vivre encore cette énergie d'abondance, de bonheur, de chaleur. Hein, y a vraiment ce côté-là. Ok. Pour le cavalier d'épée dans votre vie sentimentale. On va en savoir un petit peu plus sur ce cavalier d'épée et nous avons ici... Oh,
Ok, donc je comprends un petit peu cette communication, peut-être un petit peu sur la réserve avec ce cavalier d'épée. Et la mort nous indique en effet que vous avez changé, que vous n'êtes plus le même. Et là, nous avons pour terminer le petit Gaspard qui arrive, le dernier de la fratrie des chats. Et donc, la mort, attention, Gaspard, s'il te plaît. Et donc, la mort nous parle effectivement que vous avez changé. Que vous avez peut-être dû vous séparer de quelque chose. Et voilà. Donc là, on sent qu'il y a aussi encore une âme sensible dans ce domaine de vibration d'amour pour vous. Et nous avons la prêtresse. Et là, on vous invite quand même en dos de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre part inconsciente aussi est à examiner de près sur ce mois de septembre pour vous. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose qui vous a heurté, qui vous a. Mais en tout cas, ça nous dit qu'il y a une forme de régénération aussi de vos énergies d'amour et que vous allez quand même être dans une quête de vérité d'amour. Pour le coup, et vous le sentez. Dans votre état d'esprit, vous sentez qu'il y a ce nouveau départ à vous offrir. Pour le coup. Voilà mes amis Capricorne, j'ai tout dit. J'espère qu'il y a eu quelques messages, que ça a pu vous parler, en tout cas vous accompagner. Et aussi Gaspard nous a accompagnés. Et ben moi je vous dis encore un super bon mois de septembre, une excellente rentrée à tous mes amis Capricorne et à très bientôt. Merci encore pour tout. Bye bye.